Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur 1212 AO Domini, mode de Attila Talwar, et on va envoyer à la Silésie cette fois-ci. On se déplace. Putain, y'a personne ici. Ouais, ça c'est mieux. Les croisés de la cité éternelle, putain. Oh, le nom hyper pompeux des mecs. Oh putain, sérieusement. Allez, allez. Place neuve Ronclos, on va prendre la ville. Alors, ah, un fils! Parfait, un fils pour la famille, donc il y a l'héritage qui est assuré. Déclarer la guerre à la Silésie. En plus, il n'y a personne s'il n'y a pas leur petit pote pour venir faire un coup de main. Juste un, c'est parfait. Du moins qu'on a un bâtiment en plus, soit du bonheur. Ah, le gouverneur ici. Moins 15%, mais bien sûr que je prends ça. L'argent qui rentre dans les caisses, on pourra faire quelques petits bâtiments en plus. L'Empire mongol arrive, voilà, ça y est. Grande puissance arrive à l'Est, 1219. Force terrifiante avec des armées de cavalerie légère. Extrêmement rapide. Pour leurs opposants, il n'y a que un choix. Rendez-vous ou soyez détruits. Et j'ai une ville qui est détruite ici. Oh merde, ça commence. Ouais, je vais peut-être me détendre vers l'Ouest, moi je suis tranquille vers l'Ouest, ouais. Barracks. 6500, j'économise un peu pour avoir du pognon. De quoi je me la fais? Bon, Brooklow, Breslau, hein.
pour les Allemands, Jean-Claude aujourd'hui en Silésie polonaise. Bon. Alors, comment on va faire? On est d'à côté de. C'est quel fleuve d'ailleurs, à Wrocław, qui passe? La garnison est 225. Il va juste falloir péter la porte et rentrer dans la ville. On commence. Le gros problème, c'est que j'ai beaucoup de cavalerie. La cavalerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire des sièges de ville. Ouais, là, je suis là, pas besoin d'avoir deux béliers qui partent à l'assaut, les gars. Hein. Largement plus nombreux, on est plus nombreux, mais bon, avec les sièges, c'est toujours chiant, ça. Bombarder gentiment les armateries ennemies. Ah, et le groupe d'ennemis qui s'est barré déjà. C'est pas comme sur Rome 2, je peux avancer tranquillement mes unités comme ça. Merde. Mais les mecs, ces arbalétriers, ça va faire mal vos carreaux là. Bon, c'est un peu. Ce sera fini, on va percer dans la ville. Dès que la porte est pétée, on perce dedans. Pas les avoir, hein, les gars. Je suis polonais. Allez, avance. On peut taper les chevaliers polonais en plus, c'est leur garde du corps général. Vingt 98, 119. Ah, c'est quoi ça tombé? J'essaie de tuer les chevaliers en plus, que les chevaliers c'est une vraie plaie. Je
Moi, je continue à tirer, hein. 50-53, c'est pas assez, il faut les tuer plus. Bon, vous pouvez pas tirer, les gars? Montez là-dedans. Pourquoi vous ouvrez la putain de porte là, la tour, montez sur la tour, bande de crétins finis. On a les tours, c'est pour, bande de débiles. On peut pas rentrer dans le tas là, dans ces cons là. Prenez la tour, il n'y a pas moyen de leur dire de prendre la tour, c'est gland. Il me frustre. Voilà, vous rentrez là-dedans. On va essayer de tirer dans le tas de polac là. Le roi ennemi là, est-ce qu'on peut pas juste abattre le roi par hasard? C'est des carreaux, ça, c'est perce armure normalement. Normalement c'est perce armure les carreaux. Hein. 59. Il y a un qui est mort. Il y a eu un dommage collatéral, super. Prenez-moi, tuez-moi ces gugus, engagez-moi ces glands. Montez sur le mur, il y a la tour devant vous. Je vais devenir cinglé. Je vais péter un câble. Il faut devenir dingue, monter là des rideaux là. Et il monte enfin. Qu'est-ce que vous fiez à 64? Attention les gens! Et vos carreaux ils sont quoi? Ils sont en mousse! Les barres, ceux-là.
Bah, les mecs, même pas la peine de retracer les lignes, hein. Abattez les panicards, les froussards. Voilà, abattez ce qui se trouve ici. Et là, vous restez ici et vous abattez tout ce qui est devant la porte. Oh, les couards. On va être vous restez devant la porte et vous abattez tout ce qui se trouve devant la porte. On va essayer de faire une rentrée en force. On va faire une petite salve sur le roi là-haut. Allez, rentrons dans le roi là. On rentre de force avec les cavaliers lourdes. On tape comme des bourrins. Je vais essayer d'attaquer, ok. Les Zek, le roi. On force, on force, on force, on force. Rien à battre, on force comme des cochons. Et on rentre dans le tas là. Subtilité, c'est un truc de tapette là, à ce niveau là. Les mecs ont traversé. La victoire est là-haut. Nous sommes ralliés, super. Vous avez une seule cible, c'est celle-ci. Et c'est glandu. Voilà, les ennemis se rallient, on les charge, on les défonce. Putain, mais je vous dis d'aller tuer ces mecs-là. Vous les allez tuer, merde. Tout leur dire, c'est con, hein. Voilà, on tue, on tue, on tue. Vas-y, tue leur roi. Après, super cher, hein, mais bon.
Tu vas faire la fin de Charles II pour tuer leur, le roi en armure lourde là. Boum. On va pas non plus trop s'avancer. Bon, il y a les groupes d'archers, enfin la batterie ennemie qui déroute là. Ils paniquent. On essaie de prendre le point de victoire. Si on prend le point de victoire, c'est gagné. Quand je vous dis d'aller attaquer les arbitries, c'est les arbitries, merde! On chie ces glands. Ça panique ici en face. Ouais, t'as gagné. Putain, bataille de merde. Pas une grosse bataille de merde comme je les déteste. Ah, par contre, là, les piqûres ont pris très cher leur cul. Je pille, j'occupe, rien à foutre. On répare. Alors, Conrad, le gouverneur. Et si on va signer qui en Silésie? On va signer Peregine. J'ai dit Peregine. Voilà. En Silésie, on va faire un truc très simple, ça va être... On prend des sergents qui sont bien mieux en armure que les autres guignols là. Mais je vous fais une merde! Voilà! It is a great and glorious thing to serve your people. Are you ready to serve? We need good fighters. Voilà, 4 tours, on a largement le temps de dire 4 tours. Je crois que je vais faire beaucoup de choses en 4 tours. Prochaine cible, Poznań et Gdansk. Ah, on va éclairer la guerre ici.
for orders. I want hourly patrols. It is a great and glorious thing to serve your people. Juste avoir une deuxième armée. Pas forcément à fond, mais pour me protéger au cas où Gardingas agirait. D'ailleurs, faut que j'ai tous Gardingas. Hein. Aïe, aïe. Pas bon. Faut faire la guerre quand, ces connards? Marie, le Gardingas, c'est pas moi qui éclaire la guerre, encore une fois. Hein. J'éclaire la guerre à l'autre coin, à l'ouest, c'est lui qui a. Et j'ai dit, tiens, Kiev, c'est quoi ça, Kiev? Où s'est passé un truc là? Alors, attendez, ça me plaît pas du tout, ça, ce que je vois. Donc là, Suceva, c'est le grand canal de Kiev. Le grand Nyaza. Yorvingian? La Silésie! Ah mais si, la Silésie, ils ont pris Gardinas, d'accord! Ah ok! C'est qu'il y a plus, c'est pas vraiment hyper le truc ultra nécessaire. Dans le jeu, je veux dire, dans le mode. Je vais attaquer le nord. Allez, on va avancer tranquillement, pas être pressé. Bon, allez, au clos. Gardingas, hurry up. Les textes sont chiés, hein. Défense religieuse, ah. Oh. Après, il y a le Brandebourg ici. La Bohème avec sa petite mine d'or. La Poznanie et Danzig. Ah, c'est la Poméranie. Enfin, que j'envie sa Poméranie.
Une belle petite Pologne quand même, hein. Je pensais que tout ça serait une jolie Pologne, hein. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc j'espère que le jour vous aura plu. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine et salut tout le monde. Bye bye!